Ceux-ci sont des tote bags. On en a tous par milliers dans nos tiroirs, car on en reçoit à tout bout de champ. Et partout où on va. Moi, j'ai récemment reçu celui-ci, et je le trouvais plutôt mignon. Et en voyant les contours noirs, je me suis dit, tiens, et si je ressortais mes feutres à tissu Lobstar de Ikea, que j'ai acheté il y a 10 ans. Je vais donc vous montrer rapidement comment j'ai enjolivé ce tote bag avec ces feutres. Et vous pourrez me dire en commentaire si vous aussi vous faites ça parfois. N'oubliez pas de mettre un carton épais dans le tote bag, car ça empêche l'encre du feutre de traverser. Allez, on y va, je vous laisse regarder ça tranquillement. Et voilà. Donc, je vais enlever le carton et vous montrer les traces qu'il y a dessus. Regardez, vous voyez? Là, il y a un peu de feutre qui a traversé. Et voici le résultat final. Alors, je trouve vraiment que c'est une manière mignonne d'enjoliver ces tote bags. Si vous n'avez pas déjà des contours dessus, vous pouvez les dessiner vous-même. Si l'idée vous a plu, likez, pensez à vous abonner et laissez-moi en commentaire si vous aussi vous vous trouvez avec beaucoup trop de tote bags dans vos tiroirs. À bientôt! Thank you.